pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Star Wars République, c'est une énorme erreur. J'ai visé trop haut. J'ai visé trop haut. Avec tous ces droits d'auteur, ça me gâche. On a envie de continuer. Et surtout, ça gâche. À mes abonnés de pouvoir voir le 100%, le vrai 100% de ce jeu en ligne, que j'ai quand même eu de l'affection avec le temps. Et comme je suis un putain de fan, Star Wars, c'est fort dommage que je ne puisse pas continuer. Je dois abandonner l'idée de continuer. Je suis vraiment contraint. Et ce qui est super con, c'est que j'ai fait aussi Star Wars, The Old Republic, en mode soldat. Kagome va m'en vouloir, ça c'est sûr. Mais il faut trouver quelque chose pour le remplacer. Suprême Commandeur? Non, c'est trop tôt. Quoi d'autre? Sting Dercule 2? Non, je comptais le faire après Alerte Rouge. Surtout le mode révolte. Que faire? Que faire? Forge une alliance? Non, il faut faire le premier. Pour conquérir YouTube. Mais voilà l'idée. Conquérir YouTube, conquérir le monde. Il faut que je joue à des IA brutales, des IA implacables, incalculables. Alerte rouge 3, mais oui. Mais le souci, c'est qu'il faut être à deux pour pouvoir y participer et à les affronter. Je hais avoir le choix. Quoique, j'en ai quand même besoin de temps en temps. Mais si je passe à Zia Bruta pour y conquérir le monde, ils ne pourront plus pouvoir résister. Mais il me faut quelqu'un. Quelqu'un de talentueux, d'intelligent et de fort. Vous les affrontez avec moi. Mais oui! Et cet idiot pourra m'être utile. Mais avant toute chose, il faut faire les préparatifs. Préparer le VCM, préparer les soldats, et préparer une stratégie. Tout dépend du champ de bataille, de toute façon. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Bobo, papa. Ah mais non, je suis occupé là. Tu peux attendre deux secondes? Non, c'est mon bagage. Ah d'accord. J'aurais été mis avant ma propre maison, moi. Bobo, ça va, j'arrive. Je vous jure.